Ma poupée va manger des poissons bien salés. Madame Sophie ! Dites-moi que vous n'avez pas touché aux poissons. Notre Sophie est douée d'une grande imagination dès qu'il s'agit de faire des sottises. Il est bizarre, Sophie, il est froid. C'est pas du tout ça! Qu'est-ce que je vais faire d'une petite fille pareille, hein? Oups! Tu es punie pour 3 jours dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Pauvre Sophie. Madame de Rian a disparu en mer pendant la catastrophe. Sophie a été confiée aux soins de sa belle-mère, Madame Fichine. Les beaux valets jettent le trouble dans une maison. Moi, je l'ai choisi piscornu et laid. Il faut bénir le ciel de la laideur des petites gens. Où est passé le carafon qui était dans ma chambre? Tu vas le dire? Tu vas le dire? Mais voyons, Madame Fichini. Moi, j'ai la charge de Sophie et je l'éduque à mon idée. Le fouet est l'unique moyen d'éduquer les enfants.